premiers pas dans la cour des grands pour Gabriel qui s'apprête à rentrer en sixième. Un moment qui peut être stressant mais que le jeune homme attend de pied ferme. Déjà, on va reprendre les fractions, les divisions, les additions et les soustractions. Parce que toi, c'est quoi ta matière préférée ? Les mathématiques. Ah ouais ? Et tu veux faire quoi plus tard ? Mathématicien. De sa petite école, Gabriel découvre aujourd'hui l'ensemble scolaire privé de Saint-Joseph à Périgueux. Plus de 1000 élèves du collège jusqu'au lycée. Pas perdu pour autant, il retrouve ici ses copains de CM2, une valeur sûre dans ce nouvel environnement. CM2, tu viens au collège ? Le plus grand devient le plus petit. Ouais. Moi, tu me diras, Emilia, Jean et moi, on est toujours tout petits. Hein. Les sixièmes prennent petit à petit possession des lieux, mais très vite. Très bonne rentrée à tous nos petits collégiens. Fini les bêtises et tout s'en rend, c'est l'heure de l'appel. Albin Marie, Gabriel Medina, Monteil. C'est le soulagement, Gabriel atterrit dans la 6ème C, la même classe que son copain Jean. Viens là ! Pour réussir sa rentrée en 6ème, être détendu ou avoir des amis, yes. Ça aide un peu, mais aussi bien écouter son professeur principal, un guide pour cette première année chez les grands. C'est vrai qu'il y a certainement une angoisse qu'on essaie un petit peu d'apprivoiser et puis on essaie de dédramatiser aussi. On voit que vous avez pour la plupart un beau sourire aux lèvres, vous êtes content. Voilà donc une rentrée sous les meilleurs auspices pour Gabriel et ses copains. Le sourire, oui, mais sans oublier de rester bien studieux. Faites